Vous pensez peut-être que c'est terminé? Bah ouais. Eh bien non. Ah bon? Tagazok. Te revoilà, mon frère. Hein? Déjà? Tu viens d'être massacré par un golem. Écoute. Merde alors. Je suis très heureux de te revoir parmi nous. Moi aussi, Tagazok. Quel dommage que tu ne restes pas. Ah si si, cette fois je reste. Non, car il te reste des points de destin. Quoi? Tes amis viennent de te sauver. À bientôt. Ah bah ça y est, il bouge. Cool. Tu viens de la chance d'avoir des amis comme nous. Je ne sais pas si tu mérites. Quoi? Ah putain! Si on oublie cette grosse plaie à la tête, tu as l'air en pleine forme. Mais vous ne comprenez pas, il peut rien m'arriver de pire. Ah si, imagine que par exemple... L'elfe gagne un niveau. Quoi? Mais c'est génial! Bravo! Mais où est le voleur? C'est foutu pour lui, il n'avait pas de point de destin. Et on peut pas mourir comme ça. Ben si. Après toutes ces aventures, après tout ce temps... J'ai pas envie d'écouter encore cette histoire. Mais c'est vrai quoi? Respectons une minute de silence pour la disparition de notre camarade. Quand on meurt, c'est qu'on est trop nul pour vivre. Et voilà! Alors, qu'est-ce que tu as gagné avec ton niveau? Je crois que je grimpe plus vite aux arbres. Ben quoi, c'est drôle? Ouais, c'est assez drôle quand tu dis ça. Sinon, j'ai envie d'aller aux toilettes. Moi, j'ai faim. J'ai froid. J'ai tordu mon épée. Je me suis cassé un ongle et j'ai abîmé mon sac. Je vais boire un coup. Quelqu'un a vu ma hache? Dieu du sommeil et de l'ennui. Le soleil est magnifique. J'ai envie de me pendre. En plus, j'ai une mauvaise nouvelle. Vas-y, annonce-moi un truc très grave, que j'aille me suicider en paix. L'ogre a disparu. Quoi? Et alors? Oh. Eh ouais, c'est vrai. Il me disait aussi qu'il manquait une odeur désagréable. Bon, alors, on y va? Mais qu'est-ce que je fous là, moi? Bon, c'est parti. Cool. Bonjour, fiers aventuriers! Par tous les sortilèges de Xor! Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est dans l'épisode suivant que viendra cette révélation. Tiroli, Tirolin, la vie n'est peut-être pas loin. Chaussette. Le barbare gagne un niveau. Ouais, cool! Ah, bah lui aussi! Et oh, et moi alors? La magicienne gagne un niveau. L'elfe gagne un niveau. Le ranger gagne un niveau. Bravo! L'ogre gagne un niveau. Oui, attendez, c'est à moi maintenant. C'est mon tour. La magicienne gagne un niveau. Le barbare gagne un niveau. Le ranger gagne un niveau. L'ogre gagne un niveau. Ah, je vous déteste! Bonjour tout le monde! Ah! Besoin d'un coup de main? Mais c'est qui encore cette timbrée? Timbrée? C'est ma cousine Astuna! Ta cousine? Comment ça? Je vends des objets magiques! Ah! Ah d'accord! Je vois où tu veux en venir! Pas moi! Moi non plus! Hein. Une paire de godasses? Ce sont les chaussons de danse de Rizmo Jarbé! Ah! Eh ben! Et aussi la boîte à supplanter les saints chamans! Ne t'évite de mettre génial. C'est court. Les 6 pochettes du calamar catcheur. Pas pochettes. Les suites magiques de Gloufina. Mais... Il moufle à 3 boîtes, mon dieu, les peuses. Bordel. Les spinotiques de la dame du lac. Et 9 piques à rochettes de Zadoshi. Ça se joue à de Casimir. Et pour finir... Le collier en dents d'ours de l'arrière-grand-oncle de Gamnor. Ah, c'est la classe. On ne sait pas trop quoi dire. Tous ces merveilleux objets. Mais... Je ne vois pas trop quel genre d'objet pourrait nous sortir de cette forêt merdique. On pourrait la faire cramer? Ah non, hein? Ça, c'est pas possible! Et puis, on aurait des chances de mourir dans les flammes. Vous pourriez utiliser la couronne de Pronfio. Hein? La couronne de quoi? La couronne de téléportation de groupe de l'archimage Pronfio. Cool! Wow. C'est qui, lui? Et si ça se trouve, on a d'autres machins qu'on pourrait échanger contre la couronne de téléportation. Et puis, j'ai aussi des pierres précieuses. Ça m'intéresse. Tout cela va un peu vite. Quelqu'un a des compétences en marchandage? Puis, vous êtes fatigant. Et ben voilà, nous sommes à Boulgourville. T'es sûr? Parce que sinon, ça va chier. Mais oui, c'est écrit sur ce panneau. J'hallucine, on s'est même pas perdu. Alors, c'est la fin de l'aventure? C'est pas trop tôt. Ouais. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Pas vraiment, non. Allez, vas-y. Je suis amoureux de l'elfe. De moi? Comment pourrait-il en être autrement?
Elle est si belle. Vos cheveux sont sublimes. C'est vrai? Oh là là. Merde, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, on a retrouvé l'ogre. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Eh ben, il fait de la musique. Il y a un mec bizarre qui s'approche. Salut à vous, belle compagnie. Je suis le voleur. Par tous les sortilèges de Xor? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je me sentais seul. C'est dans l'épisode suivant que... J'ai pas envie d'écouter encore cette histoire. Mais c'est vrai quoi. Faut que je vous raconte. Un jour, mon arrière-grand-père, Gurdil, s'est fait piquer ses vêtements en prenant son bain annuel. Ben, comme il a pas retrouvé le coupable, il s'est vengé. Et c'est bien ce qui m'inquiète. Il a pioché dans la réserve de mithril et il s'est fabriqué un caleçon en mithril. Et ben finalement, on lui a donné le nom de Gurdil. Que Chrome aille se faire foutre. Dis-moi, c'est de l'humour nain, ça? Eh ouais, cette histoire est fameuse dans toute la mine. Ce peuple a l'air charmant. Ta blague est aussi vide que le néant qui sépare tes oreilles. Faut pas insulter Chrome. La compagnie de Narlbeuk a tellement de talent. La compagnie de Narlbeuk a tellement de talent. Qu'on ne saurait vous en parler, alors voilà. C'est terminé. Nous y voilà. Quelle horrible porte. C'est moche. C'est accueillant. C'est abominable. C'est ignoble. J'ai soif. C'est abominable. Eh, hey, mais tu l'as déjà dit. Tu as vu le nom sur l'enseigne? Au ras des goûts lubriques. Ah ouais. Cool. Regardez, il y a des runes ici. Effectivement. Il y a un genre de bouton. Je dois chercher dans mon grimoire. Je me demande ce que tu ferais sans tes livres. Aïe. Mais Incapable. C'est écrit, le magasin est ouvert tous les jours jusqu'à 19h. Un magasin? Ensuite, c'est écrit, sonnez et attendez. Je vais l'ouvrir. On a failli attendre. Contrant Théogal, mage de 12e niveau, ordonnateur de la BSQ de Swimma. Oui, on sait. On est bien content de vous voir. Et moi, j'ai deux mots à vous dire. À mort! Je vais rester ici pour surveiller. Baston! Et oh, mais il n'arrête pas de bouger! Quelle attention avec tes flèches! Ah putain, on l'a eu! Mais trop fort! Ouais! Heureusement que je l'avais paralysé! Eh ben, c'est pour ça qu'il bougeait pas bien! Dites donc, vous vous souvenez de... Regardez. Un rouleau de parchemin est apparu dans les feuilles mortes. Alors c'est écrit, c'est écrit. Je vous ai bien niqué. On s'est fait avoir. Ce n'est pas croyable, quelle ingratitude. Ce comportement est intolérable. C'est abominable. Il est interdit d'arnaquer un nain. Je m'en fous. Je m'en fous complètement. Ben, on va dévaliser son magasin. On va écrire des gros mots sur les murs. Et on va égorger la vendeuse. Vengeance. Vous êtes fatigant. Vous pensez peut-être que c'est terminé? Bah ouais. Eh bien non. Bah si. Oh.